Le la vie ap sakajim, le l'ennemi envahim, le tout fos mwen finali, le mpawe en haut, mpawe en bas. Le tristesse envahim, la perez abdominim, le si constance yo vle de la lame, mwen jwen consolation nan yon som. Le ke content passe l'OM, le sa map gade, sa zorey map tende, ta vle fè tèt mwen pati. L'em fin perdit tout gou bouche mwen. L'em senti ma bout. Le tout espoir semble fini. Mwen jwenn réconfort nan yon sòm. Le la fwa m ta vle fayi. L'em vle bliye ki jan pou m rejoui nan Seigneur. Le l'esprit m troublé et nan mwen vle febli. L'em bezwen fòs ak sekou. Mwen jwenn asirans nan yon sòm. Le tout barye ak pòt fèmè. Le pa gen wout pou m pase. Lèm sentim anvi kouri monte, kouri desann. Lè sikonstans yo vle pote m ale, mwen jwenn rasin mwen nan yon sòm. Lèm anvi pote seye a plènt, pran otorite sou sityasyon ki depase m yo. Pou m sonje ki jan seye a gran nan la vim, nan la vi fanmim, kominote m ak peyim, seye a pale ak mwen nan yon sòm. Chak sezon, chak jou, a chak moman, se a mete yon som nan kem ak yon chan nan bouch mwen. Pou m sonje ki es liye e ki jan li domine e gen kontrol sou tout bagay. Nan ki sezon ye frèm? Nan ki sezon ye sèm? Ou vle konnen sa bon je sere pou ou nan sezon sa? Ansam nan sezon sa frèm ak sèm yo. An nou fè yon sèl pou nou fè yon voyaj a travers sèm yo. Le la vie ap sakajim, le l'ennemi envahim, le tout fos mwen finali. Le mpawe en haut, mpawe en bas. Le tristesse envahim, la perez abdominim. Le sikonstans yo vle de la lame, mwen jwenn consolation nan yon sòm. Le ke content passe l'OM, le sa map gade, sa zorey map tende, ta vle fè tèt mwen pati. L'em fin perdi tout gou bouche mwen. L'em senti ma bout. Le tout espoir semble fini. Mwen jwenn réconfort nan yon sòm. Le la fwa m ta vle fayi. L'em vle bliye ki jan pou m rejoui nan Seigneur. Le l'esprit m troublé et nan mwen vle febli. L'em bezwen fòs ak sekou. Mwen jwenn asirans nan yon sòm. Le tout barye ak pòt fèmè. Le pa gen wout pou m pase. L'em sentim anvi kouri monte, kouri desann. Le sikonstans yo vle pote m ale, mwen jwenn rasin mwen nan yon sòm. L'em anvi pote seye a plènt, pran otorite sou sityasyon ki depase m yo. Pou m sonje ki jan seye a gran nan la vim, nan la vi fanmim, kominote m ak peyim, seye a pale ak mwen nan yon sòm. Chak sezon, chak jou, a chak moman, se a mete yon som nan kem, ak yon chan nan bouch mwen. Pou m sonje ki es liye, e ki jan li domine e gen kontrol sou tout bagay. Nan ki sezon ye frèm? Nan ki sezon ye sèm? Ou vle konnen sa bon je sere pou ou nan sezon sa? Ansam nan sezon sa frèm ak sèm yo. An nou fè yon sèl pou nou fè yon voyaj a travers sèm yo. Seigneur, merci. Merci pour grâce et pour miséricorde envers nous. Merci Seigneur pour bonté bienveillante envers nous. Merci Seigneur dès que vous permettez nous dormir, nous lever. Et Seigneur, conduis-nous là pour nous capables vraiment venir adorer et tendre parole au cher Seigneur. Papa au Dieu, mais moi-même qui placé devant qui avait prêché parole. Seigneur, moi voulais débarrasser de sang chair
Et nous voulons que ce Saint-Esprit, cher Seigneur du Saint-Père, oh Dieu, qui s'est conseillé nous, qui s'est enseignant nous, Papa, qu'on s'en nous prêcher parole, cher Seigneur, auditoire va édifier et toute gloire et honneur va pour. Sois avec nous, Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. RVC, bonjour. Bonjour, RVC. Moi, salue nous dans le nom de Jésus-Christ et moi, content et matin hein, pour nous capables de bien prêcher parole bon Dieu. Nous saluons Silayo qui en ligne, qui suivent nous sur différents réseaux sociaux. Nous saluons également que Silayo qui Kazo, vraiment que nous pas fonctionner, mais cap et vraiment suivent nous en ligne. Nous saluons également Jérémy et nous saluons Bredenton. Nous saluons Dr. Gilio Volsi et m'a demandé de nous applaudir côté Lia, donc qui vraiment bon nous possibilité pour nous prendre la parole eh bien matin. Donc c'est saison des psaumes comme c'est rien. Donc en titre eh bien message nous matin, le choix est vôtre. Et m'a demandé nous pour m'a pli parole là, c'est psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. La vie, c'est une question de choix. La vie n'a pas gagné fait cadeau la donnée. Gagné un dicton qui dit que la vie, c'est une question de choix. Si ou pas levé pour prendre destin en main, ou prêter tant que un spectateur qui garder l'autre monde cap et réussi. Donc chaque jour dans la vie nous toujours dans position pour nous faire des choix. Cependant nous besoin admettre que gagne des choix qui plus déterminant que l'autre. Par exemple choix pour choisir un partenaire pour faire vivre, ça c'est un choix qui déterminant. Un choix pour choisir une profession, c'est un choix qui déterminant. Choix pour choisir moun qui conseiller, c'est un choix qui important parce que ça dépend de toute vie. Gen pile moun ki di yo ta remè vivre heureux. Mais pourtant action que ou a posé, c'est action qui conduit yo directement vers le malheur. Si me demande là qui est-ce qui t'a rendu heureux, tout le monde a répondu oui que moi t'a rendu heureux. Personne monde pas répondre que t'a rendu et vivre une vie qui malheureuse, yo t'a rendu qu'on est bonheur. Si me t'a questionné également que qui ça a monde besoin pour capable heureux, me t'a répondu plusieurs monde qui répondent matérialiste, t'as répondu, yo t'as besoin en belle voiture, yo t'as besoin belle maison, yo t'as besoin faire des voyages en croisière. Donc ça t'a intéressé. Si gagnon l'autre monde qui érotique yo, qui très sentimentaliste, yo t'es capable répondre. Donc ça t'a essentiel pour yo cap kon bonheur, surtout garçon, c'est t'a gagné yon belle femme. Gen l'autre monde que si m'ta mande yo qui est-ce qui ça t'a fait heureux, eh bien patriotique yo patriote yo t'a répondre que c'est pour yo t'a kon bonheur
c'est pays d'Haïti. J'ai une situation politique dans là. S'il range, eh bien, qu'il t'a senti le compte bonheur. Dans tout ça que nous citons là, que auteur somnant pas fait provision pour ça. Il pas cité ça au même en ce qui a trait, à, eh bien, ça nous cité là. Nous connaissons vraiment que dans le monde côté que nous vivons là, il y a un monde pervers, côté que Satan, ce prince monde-là, vive, eh bien, vraiment, dans le bonheur, qu'on ait une vie qui est heureuse, ce n'est pas facile. Mais auteur somme premier, il fait provision pour juste là, il dit, quelles que soient les circonstances, les gens qui sont là, eh bien, juste là, lui-même, il est capable de vivre une vie qui est heureuse. C'est nous quoi que Jean Haïtien là en tant que chrétien nous capable mener une vie qui est heureuse. Des monde qui pas quoi. Auteur somnant lui-même que lui trace un parallèle entre les justes et les méchants et tout à coup il baille des prescriptions nécessaires à tout monde qui voulait qu'on bonheur, à tout monde qui désirait procurer. En première prescription que lui proposait, dit si nous voulons vivre eh bien heureux croyant besoin prend distance définitivement avec les méchants. Les psaumes yo même yo fait partie des livres poétiques dans la Bible. Nous connaissons que psaumes yo yo au nombre 250 que David écrit environ 72, presque la moitié. Yo, eh bien, écrit environ sous 700 siècles, alors 700 ans, pardon, 7 siècles environ. Grand pile monde qui dit, puisque que Somio, c'est, eh bien, c'est poésie, yo pas inspiré. Nous-mêmes, nous croyons que dans l'inspiration verbale et plénière de la Bible, nous connaissons que mot la Bible, tout mot dans la Bible est inspiré. Toute phrase inspirée et toute la Bible eh bien li inspirée contrairement avec ça libéraux yo a fait connaître. Donc en somme yo poésie hébraïque yo te inspiré même lorsque c'est poésie que yo mais yo te inspiré différente avec la poésie française. Poésie française li basée sur l'arrangement des rimes mais somme yo yo basé sur l'arrangement des idées. Et c'est ça que n'a regardé que dans premier verset eh bien dans somme il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. N'a regardé que deux premières phrases yo gen une sorte de parallélisme synonymique dans deux premières phrases yo. Ça veut dire que quand parler de méchants, pécheurs, moqueurs, il fait un seul, donc il est résumé à l'homme pervers, l'homme méchant. En yon a qui côté que nous capables de joindre, eh bien, qui est-ce qui méchant? Méchant ou pécheur, il traduit par même mot grec là, poneros, et en hébreu, rachat. Dans le sens original, il y a le sens de yon rebelle. Qui hostile à mon Dieu, lui implique la position de coupable envers Dieu et envers les hommes. Dans le psaume 73, Asaph est bien décrit il y a certaines caractéristiques du méchant. Il dit ils ne prennent aucune part aux souffrances des hommes. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Ils profèrent des discours hautains, l'orgueil leur sert de collier, ils parlent méchamment d'opprimés. Maintenant, telles sont les caractéristiques des méchants, bien décrites par Asaph. Et bien, dans le texte, donc, auteur là fait nous obligation, il fait nous injonction, bien, il encourage nous pour nous prudents envers conseils méchants. Pour nous pas attendre moun sa yo, pour nous pas prendre aucune part avec yo. L'auteur a dit pas marcher, pas camper, pas chita.
C'est la progression que nous trouvons dans le texte. Donc, eh bien, pas marcher, eh bien, pas camper, pas chita. C'est un coup un jeune garçon qui a parlé avec une petite dame. Donc, on y a un baronnet que presque nous n'avons pas parlé encore, un baronnet. À travers le téléphone, nous n'avons pas fait si fille ou la quoi encore. Donc, vous connaissez que je suis pas jeune, que je baronnet. Maintenant, que lorsque vous intéressez avec une petite dame, eh bien, ça le fait que vous commencez à parler avec elle. Vous marchez ou à parler avec lui. Marchez ou à parler avec lui. Quand la parole a commencé bon, ça le fait que lui campe. Et quand la parole a plus entré en profondeur, qu'on y a la lichita. Donc c'est ça qui fait que l'auteur là, il dit, nous avons besoin de prendre distance avec méchant. Prenez pas qu'on fait, c'est pas marcher avec lui. Alors, on va dire comme ça que, à marcher, à pas rien, parole à pas rien. Non. Ou besoin de prendre distance avec méchant. Camélia Sassi, lui, bail, eh bien, lui affirmé que lui dit, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Et il y a plusieurs études qui montraient que entourage ou influencé à 95% des prises de décision, des actions et réussite ou et présent pour cela, ça lui affirmer que entourage nous influence l'essence de nos personnalités, de nos modes de vie et nos pensées. Ça traduit par une influence sous ambition nous, sous projection nous. Parce que dit on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et la Bible il dit comme ça que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si vous fréquentez les gens de bien, eh bien, vous avez les gens de bien. Si vous fréquentez les méchants, vous avez les méchants. Si vous fréquentez des gens qui, eh bien, journellement que vous fréquentez ces gens qui ont trompé Mario, c'est eux qui ont conseillé, eh bien, vous êtes automatiquement capable de tromper Mario. Oui. Si toutefois que, eh bien, si là, ou même ses passions, c'est regarder des films qui ont des astuces, comment que, eh bien, pour tromper Mario, eh bien, vous êtes tombé sous ça tout. Oui. Tous les amis, ok, eh bien, qui, eh bien, tous les amis, qui ça fait que garçon yo tous les amis on sait garçon cap montre cap autre comment pour bailler madame ou menti pour venir bailler madame ou menti tout oui. Donc eh bien nous besoin éloigner nous des moun sa yo. La Bible dit moun sa yo c'est courir pour yo. Si zami qui pi proche ou yo, eh bien c'est yo ou fréquenter de temps en temps ou fréquenter de temps en temps y a fini pas influencer. Donc, le matériel pas capable de bailler bonheur, belle voiture de luxe pas capable de bailler bonheur, que belle maison pas capable de bailler bonheur. Donc, eh bien, il y a une raison qui fait que nous avons bonheur. Nous besoin éloigner nous des conseils méchants, prendre distance ensemble avec eux. D'après une recherche approfondie sur le bonheur menée par et des chercheurs de l'université Harvard, eh bien, scientifiques, ils suivent 724 mouns et sous 1300 descendants pendant plus de 84 ans. Bien, c'est mieux capable de comprendre qui est capable de faire l'homme contre bonheur, qui est capable de faire l'homme contre une bonne santé, qui est capable de faire l'homme, eh bien, contre un bien-être. Depuis 1938, équipe l'a commencé avec un recherche. Eh bien, que yo joint que dans recherche là yo commencé que li yo distribué à des membres de la famille. Et tout l'a montré que tout bonheur li dépend de un monde que li dépend de relation avec monde ni pas de du matérialisme. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas bon, eh ben, prendre plaisir de façon personnelle. Non. Il dit que, eh bien, que, il a avancé, que il dit, tout ça capable pour un monde contre bonheur. Il y a sept prescriptions, ça,
de consacrer du temps avec des proches, nouer des liens forts au bureau, ne pas laisser déborder par la bonne façon, téléphoner au lieu d'envoyer un message, passer du temps en tête à tête avec un ami. Mes frères et sœurs, donc, en parole puissante, c'est ça que, eh bien, auteur, la Fontaine dit, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Oreilles nous besoin sensible. Pas bail n'importe monde accès à oreilles nous pour parler dans oreilles nous. Parce que parole li puissante, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc nous besoin connait avec qui est-ce que n'a passé journée nous. Nous besoin connait que moun n'a passé journée moun qui proche nous yo, nous besoin connait qui est-ce que yo yé. Moi j'étais croire que après que nous fin temps des messages ça nous pral analyser pour nous voir qui est qui ka zanmi nous et qui laisse qui pas ka zanmi nous. Et si son monde ka bord des conseils, eh bien que pour eh bien pour aller épouser avoir séduit une madame mariée monde, eh bien on besoin courir pour monde ça parce que provision monde ça gagne pour pas provision de paix mais c'est provision de malheur. Provision gain pour vous, plan, et pas un plan, et bien, de bonheur, mais c'est un plan pour malheureux. Donc, nous besoin penser à ça. Si vous avez un petit ménage qui pas vle, qui pas qu'à bon conseil pour parler l'école, chaque fois qu'on parle l'école, et bien, que les gens ont un point plaisir plutôt, moun ça, pas qu'à zan moun besoin, pas marcher, pas camper, pas chita akli. Ou gen zanmi nan université a yo bon kob pou paye l'école di an nou pran plaisir avec kob la moun sa pa kanpe pa marche pa kanpe pa chita akli c'est mauvais conseil frèm avec sèm yo si nou besoin kon bonheur et ben nou besoin pa marche selon et ben conseil et ben méchant c'est ça que et ben auteur ben somnant, li mette en évidence. Croyant qui voulait vivre heureux, il besoin prendre toute distance avec les pécheurs, avec les moqueurs, avec les méchants. Mais tout gon deuxième eh bien, prescription auteur somnant fait que il dit que croyant qui voulait vivre eh bien heureux, il besoin prendre en distance eh bien, il besoin prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Prends plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est ça que méchant alors que croyant besoin faire et c'est ça que auteur somnant et bien lui-même lui mandé nous pour nous faire dire et qui la pardon et qui la médite en jour et nuit. Donc monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel prend plaisir veut dire que c'est attaché à parole la chrétien c'est un passionné de parole là. Dictionnaire là où définit passion comme étant un sentiment d'attachement exclusif. Li tellement, eh bien, remet parole là, eh bien, li toujours à chercher à gagner une attitude obéissante hein, à la parole de Dieu. Donc, quand nous avons besoin, eh bien, méditer en parole là. Méditer parole là, qu'il y a un monde qui, eh bien, vraiment, qui a médité parole là, pardon, qui prend plaisir dans parole là, mais bagaille que lui fait, mais attitude lui, la lit journellement la Bible. La gagne un désir récurrent de la connaissance de la parole. Monde ça que, comme si journellement que lui gagne plaisir, c'est passion pour parole là, eh bien, que tout côté le passé, eh bien, Bible avec lui. Chaque matin levé, la Bible parce que Bible est important pour lui. Combien de monde là chaque matin l'est levé, yo lit la Bible. Ah, grand pile monde ça pas intéressé au levé c'est faire nouvelle, nous pas écarter ça. Mais premier bagage que sous remet bon Dieu ou besoin prend plaisir pour lire parole bon Dieu. Et yon l'autre eh bien a dit chrétien besoin gagner de c'est un désir récurrent de la connaissance de la parole de Dieu li remet connaît parole mon Dieu côté parole mon Dieu a prêché et eh bien li content li là
Li remè entendre parole là. Et li remè parole là, li prend plaisir, li réjouit. Et ben dans parole là, c'est attitude comme ça yon moun ben qui remè parole là, gagne moun et ben capable qui prend plaisir dans parole là, c'est ça. Yo raconte histoire de yon siroir de bot avec yon homme riche. Siroir de bot là li même que l'a nettoyé soulier et puis l'a chanté, l'a loué. Et puis gon homme riche qui paraît bon côté, li dit comme ça que mais qui ça pour me faire me capable heureux tant coup et ou même qui sont fait pour capable heureux. Non riche là dit comme ça que alors pauvre là siroir de bot là lui répond. Il dit qui fait me capable heureux comme ça parce que moi me prend tout plaisir dans appliquer parole mon Dieu. Moi prends tout plaisir dans la loi de l'Éternel et que parce que m'a médité de temps en temps. Épicure c'est un dans philosophe de l'Antiquité. Et bien Épicure apprenait le bonheur dans les plaisirs. Li bayon quatre postulats. Dit pour moun ka konn plaisir c'est pas et bien gen crainte pour bon Dieu, pas appel en mort. Il dit wap konn bonheur et wap capable supporter douleur. Frère avec Samyo beau et maintenant plaisir personnel ça yo pas capable bail et bien bonheur. Donc et bien lorsque pi bonheur capable gagner, nous capable heureux, c'est lorsque encore nous prend tout temps nous plaisir nous dans la loi de l'Éternel. Donc dans qui sont prend plaisir frère avec Samyo? Est-ce que c'est dans parole là ou bien dans l'autre parole mon dit? Dans un monde qui est chargé avec faux prophètes, faux enseignements, eh bien, qui a fait promotion pour l'évangile de prospérité, ça veut dire théologie de prospérité, on l'évangile combiné, un enseignement falsifié, nous avons besoin de connaissances, paroles, bon Dieu, pour nous réfuter faux enseignements sérieux. Donc, dans qui ça comprend plaisir? Vous avez fait grand pile monde, eh bien, que yo Yo dis aux baptistes, demain si Dieu veut au pentecôtiste, après au adventiste, parce que yo pas connu la parole. N'importe ça que yo dis yo qui t'en croit. Mais nous lorsque nous connaissons la parole, mais que nous sommes capables de réfuter faux enseignements yo. Donc est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce qu'on est intéressé pour gain connaissance hein, de parole là? Oui, et frère, avec ce mieux que nous besoin, eh bien, prendre temps nous, consacrer temps nous pour nous lire parole là. Nous besoin content lorsque nous entendons des paroles là. Nous besoin toujours lire Bible nous. Est-ce que nous fatigués lorsque nous entendons des paroles là? Quelqu'un nous fait comme ça? Mais dans mon temps des paroles, bon Dieu a prêché, y a rien dormi. Chaque fois que y a pris Bible là pour y lire, y a rien dormi. Et puis quand parole a fini prêcher, il y a des blagues avec des amis. Donc il y a des gens qui prennent plaisir dans la parole là, il n'est pas capable de consacrer. Frère avec ce mieux, c'est vrai que worship là, chanter. C'est vrai que il n'a pas adoré, n'a pas adoré avec lui. C'est important. Mais il y a des choses qui privent. Donc il n'y a pas chanter, il n'y a pas chanter, il y a besoin de parole là. Parce que Jésus-Christ, il a repoussé Satan, il va chanter, il a chanté, mais c'est avec la connaissance de la parole. Frère, Semyo, ou même qui voulait vivre heureux, ou besoin prendre plaisir, eh bien, non, ou besoin écarter méchant, ou besoin yon passionné de la parole de Dieu, et pendant que vous cherchez connaissance de la parole de Dieu, mais yon l'autre bagaille qu'on besoin faire, ou même en tant que chrétien, besoin méditer la parole là, et appliquer. Connaissance, c'est le premier niveau. Eh bien, que dans la pyramide Bloom, non. Après ça, il dit qu'il y a une compréhension. Après ça, il y a une application. Croyant, besoin de méditer. Dit méditer, c'est penser justement profondément en permanence à la parole. Eh bien, quantité de versets qui est important, mais c'est verset qu'on lit, hein, que vous cherchez ou même mettez en application. Monde qui veut jouir, bénédiction bon Dieu, ont besoin méditer parole là pour yo capable façonner penser yo, attitude yo, y a li parole de l'écriture et y a réfléchi pendant que y a comparé à d'autres passages de l'écriture.
Méditation parole là, il besoin clarifier compréhension nous, il besoin corriger conduite nous, il besoin enrichir esprit nous et ben nous des pensées différentes, donc il façonner cosmovision nous façon que nous-mêmes que nous est la vie. Dans le texte là, auteur a proposé que pour nous méditer parole là, donc un grand écrivain philosophe Edmond qui dit que lire sans réfléchir est comme manger sans digérer, nous pas capable permettre de nous manger parole là sans que nous pas digérer. Lorsque eh bien nous appli la Bible, eh bien voici des gens des questions qui au monde qui vraiment cap méditer parole là, cap mettre en application mes questions la poser. Est-ce que bon Dieu, esprit bon Dieu, eh bien là la appliquer verset ça à situation actuellement. Moi pas lire la Bible pour monde. Moi lis la Bible pour moi. Grand pile monde, mais lorsque il a lu la Bible ou il a entendu des paroles de Dieu, puis gros coup ta maintenant, c'est à un monde yo penser. Mais yo pas penser à tête yo, il a lu c'est pour l'autre monde, ah verset ça bon pour mari, verset ça bon pour madame moi, mais il pas bon pour lui. Nous besoin regarder à travers la situation actuelle nous, est-ce que moi voulais appliquer parole là. Deuxième bagage, question besoin poser, est-ce qu'il y a une promesse? Y a-t-il une promesse que je peux revendiquer? Ce passage révèle-t-il un péché particulier que je dois m'efforcer d'éviter? Dieu me donne-t-il un ordre auquel je dois obéir? Mon esprit est-il en harmonie avec ce que dit le Saint-Esprit? Ce passage présente-t-il des vérités concernant Dieu, le salut, le péché, le monde et ou mon obéissance personnelle sur lesquelles j'ai besoin d'être éclairé? Croyant, eh bien, cap méditer parole là, il a besoin obligatoirement, eh bien, poser question ça yo. Méditation parole là, donc, li important que nous besoin méditer. Auteur, somme première, il dit que li, on monde qui a médité parole là, eh bien, la ben, il a tant qu'il y a un pied bois qui planté, eh bien, bon, il y a un courant d'eau qui cap by free chaque saison. L'a toujours été frais, l'a toujours été heureux parce que, eh bien, lui mettait parole là, eh bien, en pratique. Donc, frère, avec ce mio, est-ce que nous prenons temps pour nous méditer parole là? Eh bien, plus que nous étudier parole là, plus que nous mémoriser, plus que, eh bien, n'a pas capable de désir pour nous mettre en pratique. Compréhension seulement pas suffit. Nous devons tout, eh bien, mettez parole là en pratique. Lire parole bon Dieu seulement, gain connaissance là seulement, li pas suffit. Ou besoin méditer et mettre en pratique. Si c'est seulement connaissance on te cap gain, ou d'ap tan kou eh bien, yon médecin qui fait 10 ans l'ab étudié mais qui ignorait les principes élémentaires eh bien de l'hygiène. Cap manger sans pas laver men. Si toutefois qu'on pas mettre parole en pratique, ou ap tan kou, eh bien, yon moun ka di petit li, prend livre lan pou fè lecture, eh bien, ki pa jam fèl. Donc, nous besoin, eh bien, vraiment capable, eh bien, li parole la. Nous besoin mémoriser l. Nous besoin gen connaissance lan, mette l en pratique. Te gen yon homme, eh bien, ki te sorti, la l prend plaisir li, pendant que l sorti, la l prend plaisir. Et puis, li rencontré avec yon ban bizango ben champrel ça le champrel là. Eh bien li commence dit deux fois 6 16 pas peur pas crainte. Il pas connait la parole là dit pour li deux fois 6 16 il dit deux fois 6 16. Diable a dit égaré ou pas de l'école, pas connait multiplication deux fois 6 16 12 li bail. Li pas bail 16. Donc nous besoin mémoriser eh bien parole là bien et pour nous mettre en pratique. Un croyant qui désire mettre parole en pratique, lui cacher parole là dans cœur, c'est ça que Dieu a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc lui fait dépôt avec parole là, même modèle yon monde qui eh bien doit veut mettre parole en pratique. Li fait parole là délice et conseiller selon le psaume 119 verset 24. Li dit parole là c'est lumière. Donc psaume 119 verset 105 dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Donc, quel que soit ça l'affaire, eh bien, ça motive, eh bien, ces paroles-là. Parole, mon Dieu, y a un monde qui a mis des paroles en pratique, qui fait parole, mon Dieu, c'est joual, c'est héritage, li. Eh bien, que li toujours un désir pour mettre des paroles, mon Dieu, en pratique. Parole de Dieu, li besoin base de conviction, nous. Parole, mon Dieu, doué base décision, nous, dans tout ça que nous avons fait. Eh bien, nous besoin chercher qu'on est qui sa parole, mon Dieu dit. Tout ça que nous avons fait, nous devons chercher. Ce qui ça qu'on est qui ça la Bible dit par rapport eh bien avec ça que n'a fait parce que lorsque nous soyons nous sommes passionnés de la parole de Dieu nous gain désir pour mettre en pratique eh bien ces paroles là qui a façonné péché nous alors qui a façonné penser nous lorsque n'a prend décision qui ça qui motive nous est-ce que c'est propre intelligence nous ou bien ces paroles là qui base conviction nous. Ou bien est-ce que c'est doctrine scientifique yo? Doctrine scientifique yo, c'est œuvre humaine que yo ye. Yo gagné erreur là-dedans yo, mais parole bon Dieu, li parfaite, li pure. C'est ça que auteur Somme nan dit comme ça que dans le Somme 12 verset 7 dit les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Un agent éprouvé au creuset de la terre et cette fois épuré. Donc est-ce que nous faire parole là, c'est lui qui base eh bien, conviction nous. Chaque ça que nous avons fait, eh bien, chaque pas que nous avons fait, chaque décision que nous prenons, qui ça que nous prenons, c'est avec parole là, nous prenons, nous cherchons qu'on est qui ça, parole, bon Dieu dit, à travers décision que nous prenons. Et si ce n'est pas, eh bien, parole là qui bat, décision que nous prenons, eh bien, que nous ne pas prendre bonheur, nous sommes malheureux, parce que nous ne pouvons pas faire rien sans la parole de Dieu. Regardez, le président des États-Unis, même lorsque eh bien, il a prêté serment, il connaît que la Bible, la parole, la lit extrêmement importante pour les États-Unis. Donc, eh bien, nous pas capables d'ignorer la parole là. Mes frères et sœurs bien-aimés, musiciens, vous mettez et montez. Choix pour heureux ou bien ou malheureux, c'est li dépend de vous-même. Dans Somme 1er, auteur là, Somme nan, li tracé yon parallèle entre juste l'an et méchant. Juste l'an lui-même, li prend plaisir, eh bien, dans la loi de l'Éternel. Juste l'an prend plaisir pour méditer parole là et mettre parole là en pratique. Juste l'an, ben, li prend plaisir pour li écarter, eh bien, de si la yo qui se méchant kap bay, mauvais conseil. Donc, comme résultat, eh bien que la heureux, la compte bonheur, la tant kou yon arbre planté près d'un courant d'eau kap bay fruit en chaque saison. Donc le moment sécheresse yon rive, la capable camper parce que li même que parole là c'est li même qui façonne eh bien l'esprit li. Et non seulement que la compte bonheur pou sou tè ça, mais la konnen yon bonheur qui éternel. Et li dit que méchant moqueur, pécheur, donc eh bien, ce sont des stupides, mais des hommes pervers qui ont blasphémé la parole de Dieu, eh bien, qui a fait table rase à la parole. Eh bien, résultat, c'est perdition, il y a malheureux, il y a ruiné, parce que c'est voir ça que eux-mêmes ont choisi. Qui voit que ont choisi. Est-ce qu'on a choisi voie pour méchant ou bien voie juste là? Voie méchant, lui mener à la perdition. Mais voie juste là, lui mener à la vie éternelle. Voie méchant, eh bien, lui mener à la ruine. Mais voie juste là, lui baille bonheur. Qui est-ce dans nous là pour aimer vivre bonheur? Eh bien, si nous avons besoin de vivre bonheur, eh bien, nous avons besoin, eh bien, écarter méchant. Prends plaisir dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et comme ça que vous connaissez bonheur. Ou même quand vous êtes matin, qui vous rencontrez avec Christ, nous encourageons à faire ça matin. Si vous placez foi dans Jésus-Christ, eh bien, vous avez gagné la vie qui va pas finir. Ou même qui sont méchants, vous avez écouté, vous avez attendu matin. Moment ça arrive pour sauver. Prends chance ou son privilège qu'on gagne pour capable, eh bien, sauver matin.
ça bon Dieu voulait qu'elle voulait que pour méchant repenti des îles plein pour méchant pas qu'elle perdu plein bon Dieu gain pour pas qu'elle perdu mais c'est plein pour capable venir à la repentance accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou comme ça ou errer tant que juste là que bon Dieu capable bénir nous matin. Merci pour miséricorde envers nous. Cher Seigneur, nous disons merci. Dès que, cher Seigneur, ta présence a été là avec nous, cher Seigneur. Seigneur, aidez-nous pour nous capables de prendre un bonheur. Et pour nous prendre un bonheur, cher Seigneur, nous avons besoin d'écarter nous des conseils méchants. Nous avons besoin de prendre plaisir dans la parole. Nous avons besoin de méditer la parole là et appliquer-la dans la vie. Nous. Cher Seigneur, permets-nous, Dieu, que nous puissions quitter Saint-Esprit pour nous quitter la vie.